Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Le boucan, on a appelé Borosangi et Gros-nez de Haineuse. Dans tout ça, ça s'est passé là-bas. Elle a dit comment elle ne va plus être avec Prado Monte, qui a fait ou c'est quoi. Pour nous, quoi encore, la naissance, on avait déjà enregistré. On est venu déposer sur notre page. Pipi croyait qu'elle est partie comme ça, qu'elle parlait, comme elle parle souvent comme ça, personne n'allait entendre. Maman, elle oubliait que. Pas ma faut pas Congo ça, que j'étais venu me dire. Moi, j'étais partie enregistrer et j'avais déjà posté. C'est comme ça qu'on est parti bipé gros nez, on est parti bipé Jimtel Borosangi que venez au, ça cuit sur vous. Pipi a dit que vous lui laissez tranquille, qu'elle n'arrive pas à respirer depuis que vous êtes devenus ses alliés. Que est-ce qu'on a dit que c'était la prise en charge, hein? Que est-ce que l'amitié là vraiment ou c'est l'allié là, c'était la prise en charge? Que pardon, vous lui laissez, que ça, son ex Yamsa a souhaité bonne fête dernièrement, elle aussi elle a souhaité bonne fête. Il y a quoi dans ça pour que vous partez vous asseoir? Vous allez préparer son nom comme ça? Laissez-lui tranquille, c'est même quoi? Pipi a crié plus qu'elle écrit souvent. Si elle a fait pipi, je ne sais pas, je ne peux vraiment pas le dire, donc je ne vais pas mentir. Que wow, laissez-moi tranquille, wow. Donc c'est comme ça alors que, comme on avait enregistré ça, on a fait connaître à tout le monde. Maman, il paraît que quelqu'un est parti bipé Borosangi, que comme tu es assise ici quand même en train de dire que c'est ta Yamsa là. Puis elle a dit là-bas que vous étiez les haineuses qui voulaient. Hey, vous connaissez que chez Borosangi, ça ne tarde pas. Ça ne tarde pas chez Borosangi parce que chez elle, elle est la crème de la crème dans sa tête. C'est comme ça que je vais vous faire écouter. Faites encore un tour de partage. On écoute. On va écouter notre tata Borosangi ce matin. Ah ouais. Ah ouais. Partageons vivant. Oh, bonjour tata Lily de la Tour. C'est comment? Maman est en train de conduire. Alors, j'ai vu qu'il a neigé en France. Maman, on sent qu'il n'y a pas seulement neigé en France. Ici, là où je suis, là, comme ça, la neige, c'est jusqu'à. Il dit que je n'arrive même pas à parler. Le froid. Mais maman, laisse la neige. Là, parle-nous un peu de Tata Pi. J'ai vu qu'il a neigé en France. C'est la magie. C'est-à-dire que le genre est. Hey. Bon, ça y est, on va se. Tu vois la neige, tu dis yes. Vous êtes paniqués. Nous, on lit neige. Maman, ouais. On ne peut pas entendre. Écoutez tout ça. Comme ça, mon travail. L'ennui et le besoin. Voilà. Mmh. Je dis bien le vice, l'ennui et le besoin. Voilà. Maintenant, si je me connecte aujourd'hui, c'est parce que quand c'est trop, c'est laid. C'est laid, Borosangi. Quand c'est laid, il faut qu'on vienne parler. On parle. Parce qu'il y a des gens, vous vous connectez, vous faites un direct pour exprimer quelque chose, que vous, votre ressenti. Il y a des gens, parce qu'ils ont des teams, comme Lolo, qui pensent qu'ils vont venir te dire tout et n'importe quoi. Yeah. Quand ça fait ton affaire, tu donnes l'imposition à ta team de faire telle ou telle chose. Quand ça ne fait pas ton affaire, c'est qu'on a prononcé ton nom. Moi, je ne vous comprends pas. Vous êtes sur les réseaux pour exister. Et s'il y a des choses et qu'on prononce votre nom, à partir du moment où ce n'est pas le Congo, ça, il ne faut pas faire comme si c'est un problème. Non, ma. Voilà. Moi, je me suis connectée, je me suis indignée de quelque chose de bien précis, Lolo Fonja. Toi, tu es venue. Tu ne peux même pas d'abord t'indigner de ça. Je vais faire une pause là. Si ma patronne décide qu'elle va dire bonne année à ta pie décide qu'elle va aussi dire bonne année à son ex Yamsa. Pourquoi tu viens t'asseoir toi avec le gros nez là-bas pour parler de ça? Pourquoi? Parce qu'on dit que vous êtes blogueuse. Borosangi, regarde-toi. Est-ce que tu es vraiment blogueuse, non, ma? Non, est-ce que c'est tout qu'on est obligé de commenter? Elles ont dit les salutations. Ça te fait mal ou s'il y a la paix entre elles ou il n'y a pas la paix? Même nous, là, même comme ça, tu connais comment on n'aime pas la paix. Là, j'ai dit ici que seulement les choses que Pi a dit sur ma, Anna, sur ma faux. Mais parce que c'est ma reine, mais j'accepte sa paix de loin, là. Mais est-ce que ce sont les amitiés? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu t'indignes pourquoi? Ça te chauffe où? C'est ta paix? C'est ton Happy New Year? Ça te chauffe où jusqu'à ce que tu viens encore? Tu clashes ta tapis, on va te clasher. Oui, oui, oui. Tu m'as appelé, tu m'as agressé, Lolo. Hey. Tu m'as agressé au téléphone. C'est pas la première fois. Si l'impulsivité vous déborde l'esprit et que vous ne savez pas écouter les choses avant de téléphoner aux aînés. Parce que vous êtes petite sœur. Tapi, comme tu sais souvent crier là, elle te dit seulement ce que Borosangi vient de dire. Elle dit que tu es impulsif. Et que comme tu es impulsif, là, ça déborde tes esprits. Donc tu ne réfléchis pas, tu ne fonctionnes pas bien. Que la prochaine fois, avant de faire une gaffe comme ça, que tu réfléchisses d'abord. Parce que tu n'as pas d'impulsivité, là, ça n'a pas son nom. Borosangi, clash-moi ta tapi. Il n'y a pas de problème. Apprendre à respecter vos grandes soeurs. Hey. Moi, je ne suis pas ici, je vous ai toujours dit que je n'ai pas de team. Je vais un peu vous poser une question. Il y a les grandes soeurs sur Facebook. Borosangi fait la sortie ici. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi Tata Borosangi fait la sortie ici. Parce que sa monétisation est revenue. La monétisation que Zouk a lancée sur les Camerounais là.
Regardez dans ma page, même Chupinette là qui parle beaucoup là, quand sa monétisation était partie, est-ce qu'elle lançait les directs comme ça? Mais ça, les gens là venaient sur la direct show, lance là les directs. J'ai dit que non, maman, tout le monde veut jeter aussi, non? Qui ne veut pas aussi avoir ça? Donc la monétisation de Borosang est venue avant-hier. Sinon, en temps normal, Borosang ne devait pas parler. C'est l'agent qui est en train d'animer Borosang qui est en train de parler mal à pied comme ça. Ça va gâter! Ça va gâter! Facebook, le goût de ça, le coco, ça dans mon esprit. La canne est sucrée, mais ce n'est pas sucré en Côte d'Ivoire parce que ça dort. Et si je n'ai pas les teams, ça ne veut pas dire que je ne m'exprime pas. Je m'exprime très bien. Je peux dire ce que je pense, je peux donner mon ressenti, mais je ne suis dans aucune team. Ah, tu es dans la team de Jim Tech, tu es dans la team de la crème, de la crème. Tu as la team de Kamta Chumiché, c'est ta team là-bas. Il ne faut pas mentir. Quand ta team, c'est une personne, tu ne peux pas refuser. Même Black Beauty était dans ta team. Elle est quittée. Tu as la team. Même quand on avait fait un téléphone ensemble, Lolo, ouais, avec les gens pour aider la patronne, la tante de Coco, les témoins qui étaient dans le téléphone de ça, j'ai bien dit que je ne suis dans aucune team. Et je ne change pas, je suis intransigeante là-dessus. Parce que vos manières de faire les allées et venues, je ne sais même pas quoi dans Facebook, je préfère gérer ce qui me concerne. Quant à la Black Beauty, qui est ma cousine, que je vous répète ici tous les jours, la team a décidé, il y en a qui m'ont même bloqué. Il y a maman Colette qui m'a bloqué par rapport à cette crise de Black Beauty. Ok. Maman Colette, la mère de Philou, a bloqué Borosangi. Sortez, oh! Maman Colette, la mère de Philou, celui... Hey, yeah. Attends, dites-moi un peu, maman Colette, c'était laquelle? Ce n'est pas la mère de Philou. Seigneur, elle a bloqué Borosangi, oh! Maman, ça va faire fort. Hein? Vous entendez ça? Il y a beaucoup de trucs qui se passent en ténébrita comme ça. Nous, on ne connaît pas. On croit seulement que c'est de notre côté la lumière qui a les choses. Ou c'est parce que, je vais vous dire, la différence, c'est que dans les ténébreux, ah, quand on choisissait les noms pour les teams, là, on choisissait vraiment bien. Parce que quand on parlait de ténébrita, tout se passe dans le noir caché. Mais du côté de la lumière, quand il y a même les mots de tech, tech, tout le monde entend sur Facebook. C'est comme ça que ça est. Tu comprends? Pour rien! Vous avez décidé que j'ai monté le coup, comme si j'ai le temps de monter le coup sur les pépettes de Facebook. Je travaille, j'ai un salaire, j'ai une carrière, j'ai un revenu. La carrière de ça. Pardon, je ne vais pas comme ça insulter les gens qui conduisent, qui font le Uber. Mais Borosang a une carrière dans du Uber. Borosang a comme ça, Power Mafo. Tu ne peux pas écouter. Tu m'as réveillé à 1h30. C'est ça qui a déclenché ça. C'est toi, Power Mafo, qui est derrière tout ça là. Et les vieilles chouettes là ne connaissent même pas. Si tu n'étais pas venu courant, en train de courir le jour là, que viens, oh, va copier. Est-ce que Borosang devait entendre ce que Tata Pia allait dire? Est-ce que j'allais enregistrer? Est-ce qu'on devait être à cette position-ci où Borosang est en train de dire qu'on a même bloqué chez Marco? C'est toi, Power Mafo. Respectez-vous, votre règne m'a dit qu'en 2024, on ne se balade plus. On reste chez soi. C'est comme ça que vous êtes en train de créer les guerres froides dehors. Que tu es impulsive, tu es comme ça, tu es comme ça. Borosang et Dozo. D'accord? Donc il ne faut pas me mélanger comme ça. L'autre fois, j'étais en direct, Lolo, tu es entré dans un direct pour me réprimander. Pour que... Tu m'as agressé à la limite. Ouais. J'ai gardé mon sang-froid parce que j'ai quand même une éducation, j'ai des valeurs, je suis une femme nue. Ouais. Tu comprends? Tu dis bien que tu es une petite soeur. Si tu es une petite soeur, respecte ta grande soeur, je suis désolé. Je n'ai jamais fait de direct pour t'insulter. Si vous comprenez les choses à toi à travers, j'en ai ras le pompon. Ok? Si je fais mon direct, ça ne vous plaît pas, ne me suivez plus. Désabonnez-vous de mes choses. Désabonnez-vous. Vous comprenez? Parce que moi, je ne conçois pas que. Je fais un direct, je mets. Désabonnez-vous de la page de Borosang. Ne venez plus donner les mots de tête à Borosang. Déjà, sa tête est très difficile à porter. Désabonnez-vous. En 2024, si quelqu'un vous donne les mots de tête, que les personnes se désabonnent de ta page, vous n'allez pas mourir. Désabonnez-vous de la page de Borosangi. Voilà ma Colette, la mère de Philou qui l'a bloqué. Elle en a ras les pompons, pourtant elle n'a même pas les cheveux. Désabonnez-vous, ne faites pas. Le goodness. Sortez, on s'accuit dans la ténébrie. Crime pour quelque chose qu'on a dit que les parmi lesquels je n'ai pas le droit de m'expliquer. Il fallait que je téléphone à Lolo au quartier. Et je demande, hein, je dois porter les gants pour parler à qui sur Facebook. Vous ne voyez pas que j'ai combattu la plus grosse armée de Facebook qui détruit la communauté camerounaise. Hey, yeah. C'est là où Borosang a gâté. Là où on devait être gentil avec elle, on ne peut plus. Elle dit qu'elle a fait quoi? Attends, Bonolo a dit qu'elle a fait quoi? On écoute encore. Bonolo, tu vois que tu viens de gâter. Attendez un peu, les habits des enfants. J'ai dit qu'elle était en train de plier les habits. Je vais encore plier aujourd'hui. Le Congo, ça va me mettre où? Bonolo, tu dis que tu as fait quoi avec elle, Tim? Hey, Seigneur. Attendez un peu, je vais un peu mettre au téléphone ici pour prendre les habits de l'autre côté. Ne tourne pas la caméra. Oh, Seigneur, il a tourné la caméra. Yeah, yeah. C'est aussi simple. Vous comprenez? Parce que moi, je ne comprends pas. On va...
je fais un direct, je m'exprime pour quelque chose qu'on a dit que les familles, que je n'ai pas le droit de m'expliquer. Il fallait que je téléphone à Lolo au quartier. Et je demande, hein, je dois porter les gants pour parler à qui sur Facebook. Mmh. Je ne vois pas que j'ai combattu la plus grosse armée de Facebook qui détruit la... Yeah! C'est nous les abeilles comme ça que Borosangi dit qu'elle a combattu la plus grosse armée de Facebook. Oui, nous savons, on connaît notre pouvoir, Borosangi. On a détruit qui? Quoi? Où? Borosangi, c'est que vous et nombreuses n'ont pas compris, c'est que on ne touche pas à la PDG. On ne touche pas à la MAFO. On ne touche pas à la Number Uno. Vous avez dit que nous sommes des abeilles, nous sommes des mouches, nous sommes des quoi? On accepte, on s'assoit sur ça et on s'emballe des couilles. Mais notre MAFO d'abord. D'autres ont dit qu'elle est partie au Togo pour partir nous tourner la tête. Maman, c'est que les Togolais là sont forts pour pouvoir tourner la tête de toutes ces personnes là. Hein? Ils sont forts et depuis combien des années? Donc depuis qu'on est en train de tourner ma tête là, depuis 2010, je suis toujours là. Le même marabout. En train de tourner ma tête. Ma tête ne fait que tourner. Ma tête ne fait que tourner. Mais vous là, vous êtes bêtes. On parle des docteurs, des avocats, des grands gens. Regardez un peu ma sister de la Côte d'Ivoire, Marietta Flore. Regardez un peu l'île Sophie Brenda là-bas. Même le coup de Papa Mafo. Et si je vous parle de Deslor Sinclair, que je connais, vous allez dire quoi? Donc vous croyez que ce sont les marabouts qui nous ont mis là où nous sommes? Hein? Sans parler des autres que je ne connais pas. On a dit que personne ne touche à notre Mafo. Donc tu acceptes comme tous les autres la force de frappe des abeilles. C'est ça qui est en train de te rendre fort. Le jour que tu vas accepter et laisser cette team-là, tu vas marcher, Tata Borosangi. On va te accepter même encore. Je n'ai pas le droit de m'expliquer. Il fallait que je téléphone à Lolo au quartier. Et je demande, hein, je dois porter les gants pour parler à qui sur Facebook. Vous ne voyez pas que j'ai combattu la plus grosse armée de Facebook qui détruit la communauté camerounaise? Vous n'avez pas vu ça, hein? Vous n'avez pas vu ça sur un de mes bureaux? Et tu es arrivé où, Borosangi? Ça, tu es toujours en train de pleurer que, oh, on est parti t'afficher dans les sites de porno. Oh, on a fait comme ça. Ta vie n'est pas comme ça. Tu es entré en dépression, Borosangi. Tu es entré en dépression. Tu as même commencé à combattre seul. On t'a laissé tomber. Parce que les abeilles ont compris qu'à un moment, ça partait déjà trop loin. On t'a laissé tomber, Borosangi. Parce que si on restait sur toi, tu n'allais même pas être là en train de clasher ta pipi comme tu es en train de faire. Donc, il faut accepter. Sa voix m'énerve aussi, mais comme elle est en train de clasher, puis ça me plaît jusqu'à... C'est comme le sucre dans mes oreilles. Vous êtes sérieux? Pourquoi sérieux? Tout le temps, quand je dois m'exprimer, si Prado Monte, ton Lolomania, a décidé que ce qu'il a compris dans le direct était dans le sens qu'il voulait écrire, ce qu'il voulait écrire. Ça me regarde en quoi? Pourquoi tu penses qu'on va enlever tes Lolomania? C'est toi seul qui fais le direct, c'est toi qui le que ne donnez plus des étoiles aux gens. Pendant que tu y es, dis-le aussi de ne même plus nous suivre. Si ça va changer quelque chose. Ouais, voilà, peut-être Borosangi, avec sa voix qui vous énerve, qui dit que vous m'envoyez aussi les étoiles. Pardon, partagez, oh, c'est gâté en ténébris, oh. Oh, non, c'est gâté dans la ténébris, oh. Eh, regardez comment Choupinette vous amène les waveforms. Hein? Envoyez même les étoiles à Choupinette. Après, les gens de mauvaise foi vont partir dire que, oh, Choupinette, elle était même assise là-bas quand on m'envoie les étoiles. Et puis, si on me donne les étoiles, je vais refuser. Vous êtes malade. Vous êtes toqué. Si on me donne les étoiles, je vais pas prendre. Regardez-moi alors les connards comme ça. Papa Prado Monte est parti faire son Congo ça là-bas. C'est parce que Prado Monte est parti faire son Congo ça chez Borosangi. Quelqu'un est parti dire à Pi que ton... Voilà mon téléphone qui sonne là-bas en bas. Est-ce que je peux répondre? Quand il a dit qu'il avait moi les étoiles. Et c'est sûrement l'école de mes enfants comme ça. Yeah, Seigneur, on fait comment? Yeah, Seigneur. Donc, vous descendez un peu avec moi. Quand je suis en haut en train de faire les habits, mon téléphone est en bas. On court un peu pour descendre d'abord. Ça peut être l'école des enfants qui appellent maman. Je ne perds pas la tête avec le Congo ça. Comme ça, on a pris le téléphone, on va remonter et on va continuer dans nos clashs. On remonte pour partir faire les amis encore avant de partir prendre les enfants à l'école. Donc, quand Pipi a entendu que Prado montait, où c'est Prado monté? On a monté les escaliers, ce n'est pas facile. Hein. Elle a compris que... Bonjour, Kachara Velda, c'est comment? Ma caméra non chez, je te dis. Au Congo, ça, tu vas faire... Un jour, je vais appuyer sur la caméra, ça va se retourner, et je serai un peu au courant que je l'ai fait. Mais je suis folle. Il fallait écrire là-bas que c'est pour cela que tu m'aimes. Depuis toutes ces années, tu as même les filles, là, les bambampé qui viennent derrière Péril au Lion. Est-ce qu'ils regardent alors? Ils ne regardent pas. Je suis la femme qui vous a montré sur mes tas, quand même avec 10 vues, je me connecte. Je danse ma danse seule avec 10 vues. C'est quoi? Vous prenez quoi, genre? Si vous êtes les leaders, vous avez les teams, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir de team, c'est un choix. Tu m'as appelé, tu m'as agressé, tu m'as même adressé une team. Lolo, je n'ai pas de team. Je n'ai personne qui se lève le matin et se connecte pour insulter à mon nom. Même ma petite soeur Black Beauty, j'ai refusé. Black Beauty a quitté votre team. J'ai essuyé la plus grande humiliation et injure. J'ai été collé à son départ. Aujourd'hui, je viens de parler avec Ngoï. Vous avez vu que j'ai fait un problème?
C'est la première fois que les gens que je côtoie se mettent avec qui je n'aime pas. Est-ce que je me prononce là-dessus? Si vous avez un problème que vous voulez dominer Facebook et faire que les gens doivent respirer et péter selon ce que vous voulez, moi j'en ai rien à foutre. Franchement, Lolo, là, c'est, il n'y en aura plus de quatrième fois. Et si je me connais pour m'indiquer sur quelque chose, j'ai le droit. Je suis sur Meta, je suis suivi par des gens, j'ai des followers. Mais je n'ai pas de team, je n'ai personne cachant pour personne. Je n'ai personne faire ceci pour personne. Ça, je vous dis déjà. Donc, je ne veux plus, c'est bon. Parce que tu m'as appelé. C'est qu'il y a une dessin draguée, mon gars. Pas ma photo, voilà qui me cherche encore. J'ai dit que toute l'histoire, c'est à cause de toi. Toi, voilà qui écrit encore les choses. Même, quiconque veut draguer Péri, le lion ne pourra pas l'avoir. C'est entre nous les abeilles. On ne prend pas les gens du dehors. La lion n'est pas abeille. Elle ne connaît pas ce que nous, on a vécu. Quand on avait commencé à Niasse, quand on faisait notre truc de karaoké ici, elle n'était pas là. Donc, si elle drague mon gars aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Je connais que mon gars m'aime. Et ça reste comme ça. Et elle a fait les batailles ici seulement pour garder Péri, le lion. Et je ne vais laisser personne. Personne comme ça venir entre notre amour. Donc que celles-là qui pensent qu'ils peuvent venir prendre mon gars là, ils sont en train de s'emballer là, c'est ça, c'est pour eux là-bas. Donc vous voyez que ce qui est en train de se passer sur la toile, c'est une affaire de leadership, une affaire de malentendu aussi, une affaire de je ne sais quoi. Maman faux, celle-là même qui secoue la toile comme ça, la toile dit, quand vous parlez d'une femme, elle n'a pas besoin de faire le bruit. Parce que les gens ont toujours dit que vous, les abeilles, vous dérangez, vous cherchez les problèmes. Elle n'a pas fait les brouillères. Elle est venue avec le mot la paix. La paix. Donc ça veut dire que dans le positif, on marche ensemble. On ne dérange pas. C'est la paix qui est en train de déranger tout le monde, comme vous voyez. Et c'est Mafo qui gère. Je dis bien que c'est elle qui tient le blog camerounais. Que vous le voulez ou pas. Si elle dit la paix, si elle dit que tout le monde s'endort, vous allez voir qu'il y aurait toujours les dégâts. Si la Mafo Fleur de l'île dit que tout le monde mange, il y aurait toujours des dégâts. Donc, accepter que c'est elle la chose, et puis ça finit là. Borosang, le matin, n'a pas encore brossé les dents, il est en train de clasher, puis. Hé, hey, Seigneur! Tu m'as carrément agressé, tu as fini, tu ne t'es même pas excusé. Et tu as dit au revoir, Rennes Mbio. Je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter ça. Je dis qu'il faut arrêter. Tu as qui me dit que parfois, les certains, je vais te bloquer. Mais moi, je ne suis pas là pour. Je ne suis pas sur Facebook pour faire les games. Je ne suis pas sur Facebook pour le sourire de quelqu'un. Je suis sur Facebook pour être bien avec ce que je vais être bien et pas bien avec ce que je veux pas être bien. Faut que ce soit clair. Franchement, Lolo, ben c'est trop là. Ça n'est de trop. On ne peut pas s'exclamer. J'ai appris quelque chose sur les bamis et tout et tout. Et maintenant, tu viens, je pose des questions. Je pose des questions, pas même de toi. Ça vient sur toi que oui, on a dit que la paix a fait que. La reine m'est dans mon direct. Hey, j'ai pensé, oh. Je ne regarde pas les 472 personnes qui sont en direct. Je regarde seulement la venue de ma reine mère. Hey, ma reine mère, oh. Ouais, je vais crier comment. Mes salutations à la personnalité de Facebook. Celle-là qui fait bouger la toile camerounaise. Elles vont parler. C'est toi la chose, ma faux. On parle comme ça. Nous sommes en train de se préparer pour novembre. Hein. Donc, tous les jacassements, c'est comme ça. Ça ne peut pas nous empêcher de remplir encore les salles. Vous-même, vous savez. Quand on dit abeille, on dit la force tranquille. Et voilà ma copine Ange de la Paix. Vous voyez les gens avec qui on a bataillé. Voilà ma copine Ange de la Paix. Mako Ange. Bisous là-bas. Ange a bataillé avec Borosangi. Mako. J'étais sur ta paix. J'étais sur la paix des bamis. Qu'est-ce qu'ils sont assis et dit qu'ils font la paix? Si tu es parmi les gens qui ont prêté allégeance à la demande de paix, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est la première personne qui fait la paix avec Ngoï. Ngoï n'a pas fait la paix avec Ngoï. Ici sur Facebook. À un moment donné, ils ont même cru qu'on est jaloux. De quoi tu parles là? Maintenant, c'est quoi les lolomaniacs, on veut te voler tes teams, on veut te. Lolo, pardon. Pardonnez, faut pardonner. Moi, là où je suis, là, je vous dis que je suis une place sur Facebook, je sais pourquoi je suis une place. Parce que je connais les virements des situations que Meta prend très souvent. Et si tu t'entends avec quelqu'un pour dire que oui, mettons-nous ensemble, vous voyez comment les gens ont fait ceci, demain, il va aller se placer là-bas. Et puis toi, tu vas te trouver seul. C'est pour ça que je suis seul. Il faut que vous compreniez ça. J'ai une longue, juste d'abord votre aîné. Parce que vous êtes toutes des petites soeurs. Vous êtes 30, 40, 60, 47. Pardon, elles ont 35 ans. Venez, j'ai même dit quoi, les Atalakou. Maman, toi, les Atalakou de Mafo, demande à Ange de la Paix. Elle va te dire, j'étais tranchante. Moi, j'insultais souvent les comptes des mères. J'ai dit qu'on a bloqué mes 5 comptes aujourd'hui. J'ai insulté à un niveau qui n'était pas... Tu ne parlais pas de ma reine-mère. Aujourd'hui, je suis devenue calme. Je suis devenue celle-là qui dit que non, on fait la paix parce que ma Mafo a dit que la paix. Ce n'est pas parce que je le veux. C'est parce que je suis les données de la Mafo. On va toujours vous dire que Choupinette... Moi, je ne suis pas en train de me jeter les fleurs. Hein. C'est celle-là qui suit toujours ce que Mafo a dit jusqu'à on dit sur la ya, Choupinette. Ya. Mais je vais faire quoi? Est-ce que je suis venu pour quelqu'un d'autre? Si vous n'êtes pas venu pour moi, il faut vous dégager. Si vous êtes venu pour moi, il faut vous suivre ce qu'elle dit. On dit que nous sommes les moutons adorés de notre reine-mère. Ah oui, c'est ça qui est ça. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les ténébrites sont en train de se déchirer à cause d'une paix. À cause d'une paix. Une femme a demandé la paix sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle ne veut plus voir ses semblables se déchirer. Elle ne veut plus voir les gens se dégager.
Même si toi et moi, on a eu des problèmes, avançons. Et c'est comme ça que vous avez vu avec sa copine. Elles sont en paix aujourd'hui parce qu'elle a fait le premier pas. Et elle n'a jamais honte de vous dire que si ce n'est que ça qui va arranger, vous faire dormir la nuit, faites la paix, même avec votre sorcier. Mais n'embrassez pas cette personne. Donc, connaissez souvent comment vous pouvez mettre... You just have to know how you have to put the limits. Même dans la paix, là, tu n'es pas obligé d'être bestie avec la personne. Donc, je ne fais pas seulement les atalakous. Les atalakous de la mort sont innés dans moi. C'est depuis des années. Tant qu'à 6 ans, donc vous êtes des petites soeurs. Parlez-vous inbox, je dis quoi? Parlez-vous inbox, je dis quoi? Est-ce que Lolo parle inbox aux gens? Lolo parle inbox aux gens? C'est la reine de inbox. Parlez-vous inbox, je dis quoi? Lolo m'avait téléphoné pour m'adresser en direct par rapport au problème de que c'est ça. Vous n'étiez pas dedans. Franchement. Oui, c'est la reine de vous ne me comprenez pas. Pourquoi je ne comprends pas pourquoi ils ne me comprennent pas? Je ne vais être dans aucune team. Je ne suis pas dedans. Et tu m'as appelé, tu m'as dit que j'avais fait un direct. J'ai dit que les visages ridaient de ceci, de cela, que je m'adressais à toi. Lolo, je suis désolé, Lolo, si j'ai je t'appelle. J'ai pas peur de toi, j'ai peur de personne. Si Flo imaginait quelqu'un, la team la plus redoutable qui a mélangé toute la vie. Merci, bon, ça vient. La team la plus redoutable. Et on ne blague pas. Si Borosangi, qui a tant lutté, peut dire que notre team, c'est la plus redoutable. On le sait déjà. Voilà pourquoi Kamafo a supplié que vous ne faites pas les mélanges. Aimez les gens, mais ne faites pas les mélanges parce que c'est Mafo une place. Ce n'est pas Mafo et son entourage, ce n'est que la reine mère. Tout c'est pour la reine mère. Qu'on dise même que nous sommes méchants, on n'aime pas partager, on accepte. C'est pour la reine mère. Combattu bec et ongles sans reculer devant rien. Jusqu'à présent, ça veut dire que j'ai peur de personne. Il faut que ce soit clair. J'ai dit qu'il faut que je sois clair. Mais je te bloque. Parce que vous êtes toujours comme ça. Quand quelqu'un sort et s'exprime, vous commencez à dire que, oh, ma chère, c'est ci ou cela. Vous dites que, tu dis que tu es une petite soeur. Respecte ta grande soeur. J'ai 52 ans, tu as 47. Donc tu es ma petite soeur. Par respect, tu ne dois même pas m'appeler pour crier sur moi. Dans le téléphone. Hey. D'accord? Je dis que c'est la dernière fois. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Si je suis sympathisant à ta team, si tu trouves même que la sympathie n'est pas bonne, j'enlève même ma sympathie. Je vois. J'ai quitté votre team, j'ai porté toute la haine et l'insulte. En fait, c'est elle qui avait pris ses deux pieds pour aller être, ou c'est Lolomania, ou c'est Russe. Et si elle prend ses deux pieds, ça me regarde à quoi? Elle prend ses deux pieds pour aller en Goye, ça me regarde à quoi? Pourquoi vous voulez mélanger tout sur Meta comme ça? C'est quoi avec vous? Franchement. Si tu es impulsif, quand on te dit un truc, tu n'as pas le temps de prendre du recul, tu n'as pas. Mais attends. Attends. Faut arrêter. Moi, je ne suis pas dans les paix intempestives. Je sais que je me fais comprendre. Je fais une paix, aller-retour. Un coin se parle, un coin s'insulte. Même Rose de 30 ans m'a dit la paix. J'ai dit que, pardon. Faut m'excuser. Donc, moi, là, je vous dis encore, je vous le répète, je suis sans team. Je n'ai pas besoin de team sur Meta. Je suis l'exception qui confirme la règle. Il faut que ce soit clair dans vos têtes pour le bon. Je n'ai pas besoin parce que je sais le virement des situations que vous faites dans Meta. Vous tournez les gens ici en bourrique. Faut arrêter. Si Prado Monte a choisi d'entrer dans le direct et déduit, tu as dit que tu as capturé le message de Prado Monte. C'est si a fait cela. Tu crois que je suis du Facebook, que je suis la police? Tu dois te rendre compte, Lolo. Je suis désolé. Faut arrêter un peu. Attends tout le temps. L'autre fois, tu es venu m'agresser en direct. Les gens même disaient comme, mais on m'appelle, on dit comme, mais comment ils te parlent comme ça? Je reste quand même, je garde mon sang-froid parce que je suis quand même une, je suis votre aînée. Voilà. Je suis une grande femme nue, vaccinée, consentante. De quoi on parle là? Faut arrêter, hein? Faut arrêter. Vous avez votre team là. Quand tu dis à tes teams de ne pas cotiser pour les gens, dis-leur aussi de ne pas suivre les gens. C'est tout. Arrêtez un peu. C'est quoi? Vous pensez qu'on vit par rapport à vos choses là? Ça fait la même chose. Mais pourquoi les gens, désolé, hein? Maintenant vous n'avez pas dit que je suis en train de faire la talakou parce que je ne comprends pas les gens qui n'ont pas envie de partager. Pourquoi les gens n'ont pas le genre de cœur que ma reine mère a? Vous comprenez maintenant pourquoi les abeilles sont coincées avec leur reine mère? Quand on parle d'une femme qui est maternelle, une femme qui connaît partager, voici une guéguerre. Pourquoi? Parce que Tata Pipi a dit qu'elle ne veut plus qu'on partage ses étoiles, elle ne veut plus que ses lolomanioc partent ailleurs. Un truc que notre reine, mais elle vous laisse partir, hein. Mais ne partez pas vous accaparer des teams des autres, c'est ce qu'elle nous a dit. Vous pouvez partir, mais revenez à la maison, ne partez pas prendre la première place chez les gens. Elle n'a pas dit qu'on ne peut pas donner, parce que quand il y a même les initiatives, c'est la reine même qui s'assoit même et dit que vous les abeilles, là, venez cotiser pour aider cette cause. Mais ici, la CS ne veut même pas qu'on donne 5 francs à quelqu'un. Voilà pourquoi, vous voyez, elles sont en guerre maintenant. C'est parce que Tata Pi ne veut même pas partager ses épaules avec quelqu'un. Hey, Seigneur. C'est sûr, voilà, maintenant ton Lolomania vient écrire quelque chose. À cause de ce qu'il écrit, tu viens m'agresser. Est-ce que c'est moi qui lui dis d'écrire ce qu'il écrit? Quand moi je suis en direct. Donc je dois, quand il s'agit de toi, je dois me taire par rapport à quoi? Par rapport à si t'es en train de t'insulter. Hein? Faut arrêter, s'il vous plaît. Elles ont dit que je suis l'aîné, j'ai 52, elles ont toutes les 42, 43, 47. Que j'ai. Ouais, Tata Borosangi. Et t'as dit que Tata Pi, c'est ton aîné. Elle te dépasse de loin. N'accepte pas, il n'y a pas de grande soeur. Là, il n'y a pas. Tata Lolo Pi, c'est ta grande soeur. On appelle ça qu'un ancestre. En anglais, on appelle ça que she's an elderly person. We're supposed to take care of her. Est-ce que j'ai fait un direct? Je dis qu'elle est ride. Qu'elle est ride, c'est à elle que je m'adresse. Je comprends pas. Mais écoute, tu es tombé de la tête ou quoi? Faut arrêter, s'il vous plaît. Mais tu commences à lever. Je vous ai dit que
la team la plus redoutable de Flor Magina Kekam. Je les ai combattus sur mes tables. Tu as combattu qui? Quand même si les Loromania veulent se lever sur moi, une bonne partie s'est levée. Quand Black Beauty est parti, j'ai sué l'humiliation ici. Comme si c'est moi qui ai monté le coin. Vous avez fait les directs partout, les autres m'ont bloqué partout. J'avais rien à foutre. J'avais pas rendez-vous avec quelqu'un sur mes tables. Donc excusez ma vie, s'il vous plaît. Je suis l'exception qui confirme la règle. Je vous dis ça. Donc j'ai peur de personne sur le respect qui me lie avec les gens. Elle ne veut pas qu'on vienne dire oh, ouais, ceci, c'est là, oh machin, elle arrive à balayer ceci. Vous savez que moi, je suis très thankful, non? Je prends seulement cette petite pause pour remercier la personne qui m'a donné 50 étoiles que je n'ai même pas vue. Moi, je dois remercier, oh maman, parce que ce n'est pas gratos. Merci beaucoup. Je dis pardon. Parce que les divergentes idées, voilà. Quelqu'un supporte mes sangs, quelqu'un ne supporte pas. Ça me regarde à quoi? Hein? Quelqu'un supporte mes sangs, quelqu'un ne supporte pas. Ça me regarde à quoi? Je ne supporte pas mes sangs. Point final. Il m'a débloqué, il m'a encore bloqué. Il sait que je ne supporte pas. Je n'ai rien à branler. Je ne supporte pas. C'est criminel pour moi. Point final. C'est où le problème? Toi, tu ne supportes pas. Parfait. Mais en cause. Lolo, elle est en train de clasher Lolo par rapport à la paix que tu as dit. L'affaire de la paix là est vraiment en train de déranger les gens. Comme tu as dit, la paix et que Bororo et Groné sont partis s'asseoir. Donc ce qui se passe, c'est quoi? L'autre jour, tu as parlé de la paix, tu as souhaité bonne année à ton ex-yame soeur. Elle a aussi souhaité bonne année. Maintenant, Bororo et Groné sont partis s'asseoir pour décrypter l'affaire de la paix. Ça ne les a pas trop plu parce qu'elles se sont dit que oh, tu es en paix avec ton ex Yam. Et donc, ça les a fait mal, quoi. Et j'espère que ça va pouvoir prendre. J'espère que ça va prendre. Tu peux guérir ton français. Tu sais que tu les gens avaient parlé doucement. Choupi dit que tu as dit que le français de ça, ça les a fait. Maman, le français de ça, que quoi je veux dire? Ouais, Choupi, regarde un peu mon nom, Choupinette, depuis le nom de Ashley même d'abord. Hein, j'avais changé mon nom pour prendre le nom de Ashley, de ta fille, Choupi, pardon, je suis ta fille. C'est moi qui n'entends pas ou c'est le son de la mafo qui est parti. Écrivez un peu si c'est moi qui n'entends pas ou c'est le son de la mafo qui est parti. Tu es là. Ah, maintenant, je t'entends, mafo. Je peux dire que je l'ai dit. Encore. Ouais, Choupi. Choupi. Ouais, j'ai fait un bon bongo là, un bon terriblement bongo là pour m'excuser, non, quand je ne suis pas venue. Maintenant que tu es rentrée là, tu as fait la cuisine, mafo. Je te jure, j'ai fait le bongo. Tu es adorable. Mmh, avec les pattes de porc et la queue de porc. C'est bon jusqu'à... Elle va... Elle va mourir, elle te voit. Hein? Ma fille t'adore. Hi. Hi, baby, how are you doing? I'm doing good, how are you? Me too, I'm so good. Ah, you wake up. Elle t'avait parlé une fois quand elle avait 4 ans. Elle a aujourd'hui 11 ans. Oui, elle se rappelle encore. I'm so happy to see you. I kiss you, I send you big kiss. You know, Choupi, ne te moque plus de notre français, nous sommes du côté anglophone. Donc on se bat, pardon, papa. Choupi dit que maman, je les ai. Quand le français déjà, je les ai. J'ai dit, Choupinette. Oui, ma foi. C'est tout ton... ici là que j'ai vu les choses qu'il avait fait le direct le soir pour répondre à Lolo. J'étais direct parce que j'ai écouté, j'étais sidérée, mais je vais parler ce soir. Pardon, lance-moi divers. Que Borosang est en train de clasher là-bas. Oui, elle est en train de clasher, Lolo. Parce que tu sais, je vais te t'expliquer que quand tu as parlé de la paix, là, tu vois, donc, elles ont fait ça d'une autre manière. Borosang et Groné ont fait une sortie et elles étaient genre, oh, on a dit qu'il y aurait la paix entre les Baganté ou entre les gens. Elle avait insulté la Tonganaise, elle allait faire la paix avec elle qui avait lavé et rincé. Elle ne doit même pas être amie avec Lolo. Non, elle, là, si faut regarder, en temps normal, non. Bosang, il ne doit même pas être proche de Lolo. C'est pour ce qu'elle a fait vivre à ses neveux. C'est le aide-moi à détester, maman. Maman, elles vont que choper la paix en 2024. Mais je dis que, oui. Donc, comme j'ai parlé, ça les a soulevés dans l'eau. Regarde, là, elle, c'est la haine qui les a envoyés là-bas, je perds mes sangs. C'était le aide-moi à détester. Bien sûr, maman. Mais s'ils ne veulent pas être en paix, c'est le problème là-bas. Il y a quoi? Non, mais c'est qui a énervé Lolo, c'est le fait que son bras droit, Prado Monte, est parti commenter chez. J'ai écouté ses pleurs de ça. Oui, donc c'est ça qui a fait en sorte que Lolo a explosé. Et quand elle a explosé, donc pas vraiment pour le coup des abeilles, est venu me dire de partir enregistrer. Et donc quand je suis partie enregistrer, elle a effacé après, mais nous on avait déjà enregistré.
Maman, c'est ça que même pour écouter au monde entier. C'est bien comme tu. Maman. Et travaille, ma fou. Donc, Reine Mère Bio est en train de faire fort. Ok. Ma fou, je te jure, elle est en train d'inverser. Puis... Ne me dis pas, elle est en train d'inverser, maman. Oh, les alliances de. Tu sais que le jujime est bon. Ma fou, c'est ça que tu dis doucement comme ça. Maman, la paix, oh, la paix, et que la paix, maman. Versons le gros sel sur les sorciers, là. Le gros sel. La paix, ma fou, je savais pas que tu pouvais parler de la paix, ça allait déranger les ténébreux comme ça. Maman, la paix c'est d'abord intérieur, non, maman. Je dis que ils ça commence vraiment... par soi-même. Mais si chacun sa team, est-ce qu'ils sont liés de team avec Lolo? Chacune a sa team, non? Ma fou, est-ce que pourquoi? Tu voulais même être bestie avec Lolo? Ah, non, c'était juste. Allô, feel her bestie, c'était un good happy new year. Ah, on a ça, ni ma fou. Ben, mais non, c'est abîme, il est best friend. Non. It's not my friend. You understand me? I understand you, patrona. Borosangi, man, it don't be old woman. Wait till one con waka. Wait till down Lolo, if you waka with you. Wait till all old woman for oversight from Benge. Wait, they don't. You don't worry too much. Borosangi, get for rest. You get for go for Maison des Adultes. Man, Borosangi. Now, wait till. So they say they go con a genou for you before you. For do la paix with you, you be who for you know, be bloggers, they know the company. Mavo, na monetization don't come back now. Why that you see? Attacking yes, monetization don't come back. Yes, you don't come back. The eye don't shine. The eye don't shine now. The woman can be as in a ritual. Oh, yeah. Mavo, oh, yeah. But it's like you went up for money time. Now so cold there for Canada. You know she don't play. I don't. You know, say I don't pity with him. My am saying no. When my am saying don't see, je n'ai pas fait la paix. Laissez moi, je n'ai pas. I don't pity for you. This is not a pity, man. For it. I did say that. Simon sister, he get power. He be person where he get la tête. Dans Simon sister, that is Simon sister for Germany. That is Simon sister. They no fit manipulate him like the big sister. I don't know. But you know, say Emma for if not be Nada is small sister like this, no Lolo not for the make plenty de gamage so because like small sister they put it there for inside his head. Ah. Oui, c'est sa petite sœur qui lui donne souvent les mauvaises idées parfois parce que sinon Lolo pouvait bien être calme parfois. Mais quand elle reste calme comme ça l'arrange pas sa petite sœur. Elle a dit que tu as vu ça, n'est-ce pas? Là, elle est small sister. I'm not sure, say na because. You see, most of the way to go gagne for where you see that over there for problem. Where to go gagne? You go gagne. I say, you want things say, his sister will be number uno one day, but he never agree. Say, his sister, not he ever be number uno. He not be number uno. No, he not be talk so big because me, I not be God. You not be God. You understand me? I think say for day number uno. Now walk. Now you go where go. Carry and walk, go put you for number uno. Exactly. You know, the walk for the dream. Combien quand tu as dit number uno on a forgo all every day. Il y a le président pour Cameroun, il est 40 years for power, for power. Sans le lâche. Il get plenty people where they won't move here for day. But il dit, gangan say, number power, I no deliver. Me too, I di gangan for number uno. Now we go deliver. Ah ouais. Même les étoiles, non. Ma frère, on dirait ma voix, les étoiles, ce sont les qui sont. My baby, oh. Yes, my patron. I know Phoebe be number two. No, that what? Number uno. Mafo, Mafo, you number be number uno. Where you come on Facebook. Wait, you be number two and you come on Facebook. No, wait, I tell you something, my baby girl. Mm-hmm. You know something, oh yeah. Mm-hmm. Oh yeah. 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 You don't say. You know, say. That number uno where I did work for day. Now because now I did do concurrent with him one man for day number uno. Exactly. For me, not be person. Did you hear me? Oh yeah. But for a swap, ça permet dans une chambre tout le temps et puis devenir number uno. On ne peut pas. Comment il faut sortir? Comment je sors pour? Okay. Je bats la campagne. Est-ce qu'on est présent à la République en sa séance? C'est bon, il faut aller faire la campagne, mon frère. Exactement. Et là, c'est sur le terrain. Mm. C'est sur le terrain qu'il y a oui. Campagne. Le campagne, c'est pas derrière le téléphone. Ok, avec tes bras droits, tu vois comment nous sommes ici sur le terrain, Mafo. Je peux m'asseoir par ici. Sinon, tu sais que les maisons des gens, même pour se déplacer, il faut demander. Il faut demander. Les maisons des gens. Assez, baby girl. Yes, ma patronne. Assez. Non, look, ma habilité qui se fait beaucoup de mongo, na tchak tchak tchak, pardon, enter me. Non, wahala, ma
phono wahala. Il fait toc 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 na toc toc toc. Oui, nourriture du toc toc toc. Il nous enta. Non wahala. Wahala non de. Assez, baby girl. Oui, ma patronne. Campagne n'a pas sur le terrain. Ça a causé Goro qui va à campagne. De la campagne électorale n'a pas. Enta, on n'entre dans les magies. Pobi, mais c'est sur le terrain. Dans la boue, ma peau. Mais le soleil, tu sais, sur le terrain, sur les paysans, tu pars, tu bats campagne, on bat campagne sur le terrain, pas derrière l'écran. Et c'est ce que je fais, je bats campagne pour toujours être nos Mbakounou. Quand il y a une invitation où je sais qu'il y aura l'occasion d'avoir du monde, je ne peux pas partir pour aller battre campagne. De même Mbakou, si tu, Mbakou, j'étais à vue fatiguée, tu sors comme ça parce que tu dois, ta présence doit être ressentie. Tu dois battre campagne pour recruter les grands adeptes. Tu crois que quoi? Est-ce qu'on est nos Mbakounou derrière l'écran? Non, non, non. Mais il faut être, non, il faut sur le terrain. La campagne, c'est nuit et jour, on ne dort pas. Il faut battre campagne. Ah, et même quand tu as les gens qui battent campagne pour toi, les gens veulent voir la personne qui va prendre le pouvoir. Oh, ça, oh, c'est sûr. Non, mais c'est... Quand il y a une occasion, si je peux, à Digo, j'arrive à Dindjoka propre, à battre campagne. Tu sais que j'éteins mes détracteurs seulement avec ma joie de vivre. Ma campagne, c'est leur montrer que je suis belle. J'ai les bonnes formes. Je me comporte bien. Je suis fraîche. Donc, ils sont là derrière leurs écrans comme les tout. C'est-à-dire que les boîtes de sardines. Tu sais qu'elles sont. Elles sont derrière les écrans comme les. C'est-à-dire que les tout. Les boîtes. C'est-à-dire que. Quand elle me voit la fraîcheur, je suis d'abord élégante. Ah, ça ne se discute pas, Emma. Je dois dire que je suis tard. Quand je passe, on sait que c'est flore de dire là-bas. Donc, ça les éteint. Tout ce qu'elles sont derrière le téléphone, elles mettent le filtre pour insulter les gens, comment les gens sont laides. Quand elle te voit d'abord que tu sens bon, tu as le bon parfum, que même si elle met ça sur elle, ça sent mauvais. Quand elle passe à côté de toi, elle respire, elle dit que mes langues, c'est sans quand elle s'assoit, elle profite de sa soirée. Elle est plutôt à te profiter en t'admirant. Alors que dans le cœur, la personne dit qu'elle ne t'aime pas. Au fait, ça, ce sont des fans refoulés. Lève-toi, viens me voir. Dis-moi que Flore de Lis, je suis fan de toi, je suis venu m'attaquer à toi et je te mets à ta place. Parce que même la force physique, j'enlève les bêtises de là que la perruque et je te mets où tu mérites. Comme ça, c'est sur Facebook, vous attirez les gens dans la haine. Dans les chambres, tout ça, là, ça vous apporte quoi? Une personne, parce que j'ai souhaité bonne année à Mayam, ça devient que je cherche la paix avec la torche. Ça devient que, attends, la paix intérieure, si je cherche la paix pour être en paix, où est le problème? Maman, dit que je regarde seulement la face de Borosangi, même d'abord, tu comprends mais d'abord, regarde d'abord. Cache-toi. Non, c'est Borosangi. Maman, la haine de ça dans le cœur. Laissez-le encore gonfler jusqu'à. Maman. Elle est en train de clasher que tu as les saignements. C'est saigne même à l'hôpital pour couper ça. On ne peut pas. On met la boîte de lait. On met le. C'est saigne qu'elle a. Hein? Je n'ai pas le masque, elle n'est rien. C'est saigne qu'elle a. On met le lait du chat dans le trou de ses saignes. Non, mais c'est simplement pour te montrer comment quelqu'un peut être le visage de quelqu'un quand quelqu'un entend. Est-ce que Lolo l'a appelé de venir la soutenir dans la guerre? J'ai dit que la guerre avec moi, chacune qui vient. Pourquoi venir faire les alliances? Venez une place, non? Bon, ça dit qu'elle a combattu qui? Bon, ça dit on l'a laissé par pitié. Elle a trop souffert. 5 ans de travail sans salaire pour la patronne, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Elle n'a aucun sujet. Elle fait comme. Regarde, bon, ça dit non. C'est-à-dire que elle signe Gangan sur moi 5 ans. Ça te fait épuiser. C'est pour ça que je dis à la petite Nicole que ne signe pas Gangan sur l'eau. Change de cible. Ne signe pas Gangan. Elle a dit qu'elle va signer Gangan que sur sa cible. N'est-ce pas, on allait signer Gangan? Oui. Mais elle a deux cibles. Elle a maintenant deux cibles. Donc, Kaka, qui a donc. Maman, les cibles de ma gros Nicolas vont commenter parce que voilà encore l'autre. Voilà Natacha de Monaco là, qui a encore clashé Nicole aujourd'hui pour dire que wow, elle va mettre 5 000 euros pour amener son affaire, elle et Nicole devant. C'est son problème de... là-bas. C'est oui. Le problème, ça les arrange. Nicole donc, aussi la mettre à sa place. Exactement. Donc, elle a quasi qu'elle va répondre. Elles sont nombreuses qui dérangent, qui sont derrière Nicole comme ça, ma faute. Nicole, il y a des personnes que j'ai décidé, que j'ai dit que je ne vais jamais mettre ma caméra pour les donner la visite, que Flore de Lis machin. Nicole sait bien se défendre. Nicole va se défendre contre les personnes qui s'attaquent à elle.
Tu comprends? Ah, Nicole va toujours se défendre contre. Tu sais, on parle trop que la plainte est la plainte portée. Plainte ne veut pas dire que. J'ai fait 4 fois. Attends, je vais. J'ai la Tunisie là qui me contacte. Je vous laisse un bisou. Je dois travailler. Je vais y aller. D'accord, Mafo. Bisous, les abeilles. Les personnes qui veulent. Merci beaucoup, Mafo. Maman, j'ai pensé. Oh. Choupinette a percé, oh, 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 a percé. Choupinette a percé, oh, oh, a percé. Maman, j'ai percé avec ma reine, mais oh, j'ai percé. Mettez les cœurs pour la choupinette, oh, elle a percé. Choupinette a percé, oh, 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 a percé. Choupinette est presque à 1000 personnes, oh, oh, avec sa reine mère. Maman, j'ai percé avec ma patronne, j'ai percé. Je vous envoie comme ça, les amours. Donc, termine, je m'en prends les enfants à l'école. C'est que quand j'avais fait le point Ngoy, mes amis personnels étaient à Ngoy, j'étais pas avec elle. Propre. Et ça chauffait pas. Je suis tout l'ami. Vous voulez quoi? Moi, je ne fais pas, je fais ce genre de façon que je veux que les gens aident à détester. Où je monte les gens, allez-y comme ça, venez les étoiles là-bas, ne venez pas ici. Que tu dis, fais ça. Rien à foutre. Rien à foutre. Je ne vis pas de ça. D'accord? Pourquoi c'est nerveux, tu sais comment elle est? Ah non, 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 là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de tu sais comment elle est. Les gens changent. Choupinette, oh. Tu as un très grand détracteur dans ton, dans ta page, le grand Kounaguero. Tu caches, tu clashes Kounaguero, pourquoi? Koun, okay. Tu as publié son coquille, tu as publié le coquille de Koun. Kounaguero, oui, le grand Koun, le grand Koun, le grand Koun est là. Le grand Koun, je vais te dire, et tu sais bien. Le grand Koun a dit que tu as clashé son coquille, le grand Koun, tu as clashé son coquille. Le grand Koun est en train de pleurer. Le grand Koun a fait le pleur. Le grand Koun dit que tu aimes trop le Congo, ça. Il va te clasher. Tu as publié son coquille. Julien Robert, il dit que je suis une fille Bassa. La façon dont j'aime le Congo, ça, non? Oui, oui, il dit que tu es une fille Bassa. C'est la fille Bassa qui aime trop le Congo, ça. Il va te clasher oh, jusqu'à 2050. Non. S'il y avait une fan club pour quelqu'un, moi, elle serait la présidente du fan club de Kounaguero. Ça, tout le monde. Comme si tu peux clasher le coquille de Koun comme ça, là. C'est notre grand. C'est notre invité d'honneur du 23 novembre à la soirée de notre reine mère. C'est le parrain. Le parrain, le grand Kounaguero, c'est le parrain. Nous serons la Roja le 23. On va soutenir notre reine mère Mafo. Le 23 novembre, nous allons encore soutenir notre reine mère. On va montrer au monde entier que nous sommes des Numba Uno. Nous sommes comme notre patronne. C'est vrai qu'on a plein d'amour à partager, mais on ne se laisse pas aussi marcher dessus. Dans le grand compte, si tu m'écoutes, il y en a beaucoup des abeilles qui veulent être débloquées. Je te demande la permission d'entrer dans ton inbox pour te donner la liste. Et si vraiment tu peux, vous pouvez. Prenez du temps pour débloquer ces personnes. Ce sont les gens qui vous apprécient. Et c'est vraiment ironical. It's not good. Parce que la personne qui a fait en sorte que vous bloquez ces abeilles, c'était Yakuba et Aïcha Tremblay. Aujourd'hui, quand nous-mêmes, on veut se joindre ou quand ceux-là veulent se joindre à toi pour pouvoir dire non et stop à Yakuba, ils ne peuvent plus parce qu'ils étaient déjà bloqués. Donc, s'il te plaît, débloque les abeilles. Elles sont vraiment nombreuses. Mais je vais te faire une liste. Il y en a tellement et qui veulent toujours pouvoir t'écouter et te voir. Parce que tu es notre tonton à vie maintenant. Ange de la paix, Anissa Tengon. Si je commence à écrire Nat Nang, on va envoyer les noms. Vous allez me faire une liste. Et comme j'ai supplié, je vais l'envoyer ça. Donc, on continue. Je n'ai pas eu de ralliement pour me soutenir. Comme je vois, vous n'avez pas soutenir le criminel, le roi du mal. Je vous vois soutenir, mais ça, ça l'était, roi du mal. Arrêtez un peu vos conneries. Hein. Les messes, moi, c'est fait, je ne suis pas dedans. Si vous allez aider moi à détester, je ne suis pas dedans. J'ai jamais fait de réunion pour
combien de temps. Je te fais amener mes captures, amener mes audios. Chacun fait ici sur place. Faut arrêter un peu. Parce que ton impulsivité est débordante, Lolo. Travaille sur ça. Je dis bien, travaille sur ton impulsivité. Sinon, ça veut dire que tu fais ça drôle. Même pour d'autres personnes. Quand tu fais, tu m'appelles, tu vas m'agresser au téléphone. Mais attends, si tu dis que je suis ta grande soeur, tu dois, je dis que tu dois me respecter quand tu me parles. Je suis ta grande soeur. Si tu me parles aux âges de petite soeur, respectez les aînés. Je suis désolé. Voilà. Vous avez compris, non? Je suis rien avec vous. On n'a pas rendez-vous sur Meta. Donc moi, je vous dis que si c'est l'alliement, jusqu'à tu m'as même dit que si je vais faire l'alliance avec Moussa, je ne suis pas une personne qui fait des alliances à la con. Tu as compris? Ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Je ne suis pas en alliance avec personne. Que ce soit Gorswip, que ce soit Ngoy, que ce soit même n'importe qui. Je suis sympathisant de l'Olomania. Ici, c'est un problème. Put on the light, my dear. Donc, mettez ça dans vos têtes. Que ce soit clair, limpide. Je parle de personne. C'est le respect qui m'est lié avec les gens. Je ne sais pas si je me fais comprendre, s'il vous plaît. Alors, ne me manque plus jamais de respect. D'accord? Parce que si je dis un truc, ça te plaît. Peut-être si je t'ai invité à aller te le dire. Tu as écouté le dire, tu n'es plus revenu, tu ne peux pas aller. Là, tu fais dire oui, moi, mais le manière, je fais ceci, oui, tu vas me séparer. Oh, excuse-moi là. Excuse-moi. Moi, je ne fais pas d'alliance avec personne. Je sais comment vous fonctionnez. C'est une vie de la danse et de la chance. Il n'y a personne pour attraper l'autre. C'est gâté. Ça plaît. Alors, quand tu coupes les vidéos, vous coupez vos étoiles, je ne sais pas où vous pensez. Je suis tapé sec. Je ne porte pas les gars. Je ne connais personne, c'est le respect qui me vient avec les gens. D'accord? D'accord. Est-ce que je me fais comprendre? Merci, j'espère. Parce que le départ de quelqu'un qui de votre appel à j'ai porté, c'était devenu comme si. Mais tout le monde me bloquait. C'est pas bête, hein? Chacun sa vie, chacun sa merde. Je dis bien, chacun sa vie, chacun sa merde. Vous avez compris, non? Et si j'attends que j'ai le droit de maintenir, si ton casque m'a éclaté, vous êtes parti là, mon Dieu, t'es là. Regardez, mon Dieu est lâche. Je suis prêt sur vous. Pardon. Descendez sur moi. Je dis que je suis la seule, ça glisse sur moi. Rien ne change dans ma vie. Je suis incroyable. Je dis bien, ma vie de famille n'a pas bougé. Mon travail n'a pas bougé, ma carrière, rien. Donc, si vous venez à mon Dieu et l'âge, donc venez comme vous voulez, je suis prête avec vous. OK? OK, mamie. Voilà. Merci. Je crois que je me suis fait entendre. Maman, tu merci. T'as bien fait entendre. Donc, c'était un peu ça. Bon, on a même mis l'anglais sur ça. Chupinette, tu veux faire les histoires de Clinton J avec ta caméra? Non, 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 le grand coup, j'étais en haut, donc j'étais en train de descendre. Je vois que tu es sorti du noir. Maman, même si ma caméra se tourne et que vous voyez une image là-bas, ce n'est pas moi qui arrête la caméra. Ce n'est pas moi. It wasn't me. Maman, donc on a terminé. C'était un petit truc de 13 minutes. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je peux encore recommencer et laisser parce que je vais partir prendre. Donc, elle a été claire. Elle a dit ce qu'elle pense à Lolo. Mais sachant que Lolo aime trop les gens, elle aime trop les gens qui vont lui supporter, ce qui est sûr, c'est que Lolo va rentrer derrière pour partir demander ce renfort et elle va essayer d'arranger avec Borosangi, même avec, après tout ce mépris. Oui, je vais mettre le scotch. Même après tout ce mépris, elle va toujours le faire. Mais Borosangi a parlé fort. Elle a vraiment parlé fort. Et si Lolo a les oreilles, qu'elle écoute, parce que ça, c'est sa dernière chance. La prochaine fois, elle aura. On va même plus lui faire un direct. Kamtachou encore ici. Kamtachou m'envoie souvent les étoiles. Il a envoyé cette fois-ci. Et Kamtachou, ce n'est pas Borosangi. Pour ceux qui pensent que Kamtachou, c'est Borosangi, non. Kamtachou était à monter un jour dans mon direct. Comme je l'ai dit, je vais chercher cette partie pour vous faire écouter. Tu vas venir d'insulter. Kamtachou, il dit que s'il insulte ma faute une fois, j'enlève. Non, mais il n'a pas insulté. Il se respecte parce que je l'ai bloqué sur l'autre page. Donc, il connaît déjà. Téléphone ensemble, Lolo, avec les gens pour aider la patronne. La tante de Coco, les témoins qui étaient dans le téléphone ne sachaient bien que je me suis d'aucune team. Et je ne change pas, je suis intransigeante là-dessus. Parce que vos manières de faire les allées et venues, je ne sais même pas quoi dans Facebook, je préfère gérer ce qui me concerne. Quant à la blague petite, qui est ma cousine, que je vous répète ici tous les jours, ta team a décidé, il y en a qui m'ont même bloqué. Il y a maman collègue qui m'a bloqué par rapport à cette crise de blague petite. Tu comprends? Pour rien. Vous avez décidé que j'ai monté le coup, comme si j'ai le temps de monter le coup sur les pépettes de Facebook. Je travaille, j'ai un salaire, j'ai une carrière, j'ai un revenu. D'accord? Donc, il ne faut pas me mélanger comme ça. L'autre fois, j'étais en direct, mais l'autre, j'ai entré dans un direct pour me réprimander. Tu m'as agressé à la limite. J'ai gardé mon sang-froid parce que j'ai quand même une éducation, j'ai des valeurs, je suis une femme mûre. Tu comprends? Tu dis bien que tu es une petite soeur. Si tu es une petite soeur, respecte ta grande soeur, je suis désolé. Je n'ai jamais fait des directs pour t'insulter. Si vous comprenez les choses à toi à travers, j'en ai ras le pompon. OK? Si je fais mon direct, ça ne vous plaît pas. Ne me suivez plus. Désabonnez-vous de mes choses. C'est un homme. Vous comprenez? Parce que moi, je ne conçois pas que je fais un direct, je m'exprime pour quelque chose qu'on a dit qu'elle n'est pas amie et que je n'ai pas le droit de m'expliquer. C'est vrai que je téléphone à Lolo au quartier et je demande, je dois porter les gants pour parler à qui sur Facebook. Vous ne voyez pas que j'ai combattu la plus grosse armée de Facebook qui détruit la communauté camerounaise? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça sur elle même plus haut? Hein? Vous êtes sérieux? Pourquoi tout le temps, quand je dois m'exprimer, c'est prêt à demander ton Lolo Mania
C'est quoi? Vous prenez quoi ça? Si vous êtes les leaders, vous avez les teams, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir de team, c'est un choix. Tu m'as appelé, tu m'as agressé, tu m'as même adressé une team. Non, non, je n'ai pas de team. Je n'ai personne qui se lève le matin et se connecte pour insulter à mon nom. Même ma petite soeur, Black Petit, j'ai refusé. Black Petit a quitté votre team. J'ai essuyé la plus grande humiliation et injure. J'ai été collé à son départ. Aujourd'hui, je viens de parler de moi. Vous avez vu que j'ai fait un problème? C'est la première fois que les gens que je côtoie se mettent avec qui je n'aime pas. Est-ce que je me prononce là-dessus? Si vous avez un problème que vous êtes dominé Facebook et fait que les gens doivent respirer et péter selon ce que vous voulez, moi, j'en ai rien à foutre. Franchement, Lolo, là, c'est il n'y en aura plus de quatrième fois. Et si je me connais pour m'indiquer sur quelque chose, j'ai le droit. Je suis suivi par des gens et des followers. Mais ce n'est pas des teams. Je n'ai pas personne cachant pour personne. Je n'ai pas personne faire ceci pour personne. Ça, je vous dis déjà. Donc, je ne veux plus. C'est bon. Parce que tu m'as appelé autrefois, tu m'as carrément agressé. Tu as fini, tu ne t'es même pas excusé. Et toi, de revoir Reine Mebio. Je ne suis pas d'accord. Faut arrêter ça. Je dis qu'il faut arrêter. Toi qui me dis que parfois, les certains seraient bloqués. Moi, je ne suis pas là pour. Je ne suis pas sur Facebook pour faire des games. Je ne suis pas sur Facebook pour le sourire de quelqu'un. Je suis Facebook pour être bien avec ce que je vais dire et pas bien avec ce que je ne veux pas être bien. Il faut que ce soit clair. Franchement, Lolo, ben c'est trop là. Ça n'est de trop. On ne peut pas s'exclamer. J'ai appris quelque chose sur les filles, les bamis et tout et tout. Et maintenant, je pose des questions. Je pose des questions, pas même de toi. Ça vient sur toi comme oui, on a dit que la paix a fait que. Est-ce que je viens sur ta paix? Je viens sur la paix des bamis. Qu'est-ce qu'ils sont assis et disent qu'ils font la paix? Si tu es parmi les gens qui ont prêté allégeance à la demande de paix, qu'est-ce que tu veux que ça le fasse? Ça paraît pour ça qu'il fait la paix à Rengoy. Moi, il n'a pas fait la paix à Rengoy, lui, ici sur Facebook. À un moment donné, ils ont même cru qu'on est jaloux. De quoi tu parles là? Maintenant, c'est comme les Lolomania, qu'on veut te voler tes teams, on veut te. Lolo, pardon. Pardonnez, faut pardonner. Moi, là où je suis, là, je vous dis que je suis une place sur Facebook, je sais pourquoi je suis une place. Parce que je connais les virements des situations que Meta prend très souvent. Et si tu t'entends avec quelqu'un pour dire que oui, mettons-nous ensemble, vous voyez comment les gens ont fait ceci, demain, il va aller se placer là-bas. Et puis, toi, tu vas te trouver seul. C'est ça que je suis seul. Il faut que vous compreniez ça. J'ai l'envie jusqu'à vous traîner. Jusqu'à vous traîner, vous êtes toutes des petites soeurs. Vous êtes 143, 147, 146 ans. Donc, vous êtes des petites soeurs. Parlez-vous inbox, je dis quoi? Parlez-vous inbox, je dis quoi? Est-ce que je veux parler inbox aux gens? Lolo, parlez inbox aux gens. Vous parlez de quoi? Parlez-vous inbox, je dis quoi? Le jour qu'elle m'avait téléphoné pour m'adresser en direct par rapport au problème de quoi ici, de cela, vous n'étiez pas dedans. Franchement, vous ne me comprenez pas. Pourquoi je ne comprends pas pourquoi ils ne me comprennent pas? Je ne veux être dans aucune team. Je ne suis pas dedans. Et tu m'as appelé, tu m'as dit que j'avais fait une direct, dit que les visages ridés de ceci, de cela, que je m'adressais à toi. Lolo, je suis désolé, le dessus, j'ai été dit, j'ai pas peur. J'ai pas peur de toi, j'ai peur de personne. Si vous imaginez quelqu'un, la team la plus redoutable qui a mélangé toute la vie des gens, y compris la mienne, sur Meta, je vais combattre bec et ongles sans reculer devant lui. Jusqu'à présent, ça veut dire que j'ai peur de personne. Il faut que ce soit clair. J'ai dit qu'il faut que ce soit clair. Oui, je te bloque, parce que vous êtes toujours comme ça. Quand quelqu'un sort et s'exprime, vous commencez à dire que, oh, ma chère, c'est sûr, c'est là. Vous êtes là, quand tu es une petite soeur, respecte ta grande soeur, si tu es 52 ans, 47. Donc, ma petite soeur, ne pense pas, si tu même pas m'appeler pour crier sur moi, dans le téléphone. D'accord? Je dis que c'est la dernière fois, je ne veux plus. Je ne veux plus. Si je suis sympathisant à ta team, si tu trouves même que la sympathie n'est pas bonne, j'enlève même ma sympathie. C'est quoi? Là, tu as dit que votre type, je porte toute la haine et l'insulte. En fait, c'est vrai que tu deux pieds pour aller entre ou c'est l'Olomania ou c'est russe. Et si elle prend ses deux pieds pour se faire, elle à quoi? Elle prend ses deux pieds pour aller en Goy, ça me rappelle à quoi? Pourquoi vous l'avez mélangé tout sur l'état comme ça? Ça va avec vous? Franchement, si tu es impulsif, dès qu'on te dit un truc, tu n'as pas le temps de prendre du recul, tu n'as pas. Mais attends. Faut arrêter. Moi, je ne suis pas dans les pays tempestifs. C'est juste que je me fais comprendre. Je fais très peur, aller-retour. Un coup, on se parle, un coup, on s'insulte. Donc, même Rose de 30 m'a dit la paix. J'ai dit, pardon. Il faut m'excuser. Donc, moi, là, je vous dis encore, je vous le répète, je suis sans team. Je n'ai pas besoin de team sur Meta. Je suis l'exception qui confirme la réponse. Il faut que je sois dans votre tête pour le bon. Je n'ai pas besoin, parce que je sais le virement des situations que vous faites dans Meta. Vous tournez, les gens sont chamboulés. Il faut arrêter. C'est pour le monde a choisi d'entrer dans le direct et déduire. Tu as dit que tu as capturé le message de Pardon Monté. C'est qui a fait cela? Tu crois que je suis sur Facebook, que je suis la police? Je dois te rendre compte, Lolo. Je suis désolé. Faut arrêter un peu. Attends, tout le temps, l'autre fois, tu m'as agressé en disant, les gens me disaient que, mais, on m'appelle, on dit que, mais, comment ils te parlent comme ça? Je reste quand même, je garde mon sang froid parce que je suis quand même je suis votre aînée. Voilà. Je suis une grande femme nue et vaccinée consentante. De quoi on parle là? Faut arrêter, hein. Faut arrêter. Vous avez votre team là. Quand tu dis à tes teams de ne pas cotiser pour ça, dis-le aussi de ne pas suivre les gens. C'est tout. Arrêtez un peu. C'est quoi? Vous pensez qu'on vit par rapport à vos choses là? Moi, je vous ai dit que les teams, mais il faut dissoudre les bêtises. C'est ce que ton le manière d'écrire quelque chose à cause de ce qu'il écrit, tu viens m'agresser. Est-ce que c'est moi qui dis que tu décris ce qu'il écrit quand moi je suis en direct? Donc, quand il s'agit de te mettre par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il t'a insulté. Hein? Faut arrêter. S'il vous plaît. Elles ont dit que je suis l'aînée, j'ai 52, elles sont toutes les 42, 43, 47. Je vais dire, quand j'ai appelé, est-ce que c'est en direct? Je dis qu'elle est ride. Qu'elle est ride, c'est elle que je m'attends. C'est que Lolo,
je ne dirais pas que les autres m'ont bloqué partout. Je fais la faute. Je n'ai pas rencontré quelqu'un sur Meta. Donc, excusez ma vie, s'il vous plaît. Je suis l'exception qui confirme la règle. Je vous dis ça. Donc, j'ai peur de personne sur le respect qui me lie avec les gens. Alors, vous ne pouvez pas qu'on vienne dire, oh, ceci, c'est là, oh, machin, la dame va parler, ceci. Pardon. Parlez-vous, parlez. Le volume là me donne envie de tousser. Le son est mauvais ou c'est comment? Marissa. Si le son est mauvais, j'arrête, hein, parce que je crois que c'est la deuxième personne qui est en train de se plaindre par rapport au son. Je ne sais pas si c'est que le son est mauvais ou un truc. Ça doit alors être l'ancien téléphone. Si vous ne l'écoutez pas bien, j'arrête le téléphone et je ne vais pas prendre mes enfants à l'école. Faites-moi savoir. Pardon. Mais les différentes idées, voilà. Quelqu'un supporte mes sangs, quelqu'un ne supporte pas mes sangs. Mais regarde à quoi? Hein? Quelqu'un supporte mes sangs, quelqu'un ne supporte pas mes sangs. Mais regarde à quoi? Je ne supporte pas mes sangs. Point final. Qui m'a débloqué, m'a encore bloqué, qui sait que je ne supporte pas? Je n'ai rien à branler. Je ne supporte pas. C'est criminel pour moi. Point final. C'est quoi le problème? Toi, tu ne supportes pas, c'est mon cause. Est-ce que les gens avec qui je parle sont toujours dans la même langue d'idées ou de dons que moi? Mais quand j'avais fait pour Ngoy, mes amis personnels étaient à Ngoy, je n'étais pas avec elle. Pourquoi? Et ça ne chauffait pas. Je suis tout leur ami. Vous voulez quoi? Moi, je ne sais pas, je passe ce genre de façon que je veux que les gens aident à les tester. Ou je monte les gens, allez-y comme ça, mettez les étoiles là-bas, ne venez pas ici, faites ceci, faites cela. Mais rien à foutre. Rien à foutre. Je ne vis pas de ça. D'accord? Pourquoi c'est. Non, là je suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas de tu sais comment les gens changent. Les gens doivent se réactionner quand même avec moi parce que c'est bon. Pour moi c'est bon comme ça. D'accord? Parce que là, je ne peux pas quitter l'intime. Je suis l'humiliation. Je suis fait comme ça, je suis. Oh les machins, le machin, derrière. Vous voulez monter mais le machin, vous voulez les enlever derrière moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre si ton frère de monte décide d'analyser quelque chose selon comment il a compris? Ça va? On est sur métal, je m'analyse. Ça va? Faut arrêter. Pardon. Je ne suis pas dans l'intime. Faut enlever ça sur moi très vite. Et je l'ai dit. And off and on. Même sur Facebook, même hors Facebook. Je suis dans aucune team et je serai dans aucune team. Faut arrêter, s'il vous plaît. Ok? Et je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai quand même le manager sur moi. Une place, je vous combats. Je touche toutes les personnes avec. Je vous dis, sur Facebook, il faut vous organiser quand vous attaquez les gens. Je suis une team, fille barantée. Et si je m'indigne que les parmi les qu'on fait, vous avez une rencontre, que j'ai entendu une phrase qui dit qu'il y avait une entente ou je ne sais pas quoi. Je ne sais quelle entente des parmi les que je ne suis pas au courant. Parce que je crois que je suis celle qui a reçu la plus haute humiliation. Je n'ai pas eu de ralliement pour me soutenir. Comme je vois le cas de soutenir le criminel. Le roi du mal. Je vous rentre de soutenir, mais c'est saleté. Roi du mal. Arrêtez un peu vos conneries. Hein. Les messes passent sur Facebook, je ne suis pas dedans. Si vous avez aidé-moi à détester, je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais fait de réunion pour mettre. Hein. Je suis amené mes captures, amener mes audios. J'attends ça ici sur place. Faut arrêter un peu. Parce que ton impulsivité est débordante, Lolo. Travaille sur ça. Je dis bien, travaille sur ton impulsivité. Sinon, ça ne veut pas trouver ça drôle. Même pour d'autres personnes. Peut-être que tu m'appelles, tu vas m'agresser au téléphone. Mais attends, si tu dis que je suis ta grande soeur, tu dois, je dis que tu dois me respecter quand tu me parles. Je suis ta grande soeur. Sinon, si vous avez vos âges de petite soeur, respectez les aînés. Je suis désolé. Les étoiles. Et que maintenant, on l'avait bloqué, Zouk l'avait bloqué, elle n'avait plus la monétisation. Maintenant, c'est revenu. Elle va lâcher même tout, plus ses ancêtres. Borosangue, elle n'a pas. Non. Elle va couper les vidéos maintenant. Avant, elle ne coupait plus les vidéos. Elle a recommencé. Voilà. Vous avez compris, non? Je suis arrivé avec vous. On n'a pas rendez-vous sur Meta. Donc moi, je vous dis que si c'est l'alliance, à un moment donné, tu m'as dit que si je veux faire l'alliance avec Moussa, je ne suis pas une personne qui fait des alliances à la con. Tu as compris? Ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Je ne suis pas en alliance avec personne. Que ce soit Ngoswip, que ce soit Ngoy, que ce soit même n'importe qui. Je suis sympathisant de l'Olomania. Si ça ne va même pas, je ne serai même plus sympathisant. Ça ne chauffe pas et ça ne chauffera jamais. Je serai toujours sur Facebook. Donc mettez ça dans vos têtes. Que ce soit clair, limpide. J'ai peur de personne. C'est le respect qui m'est lié avec les gens. Elle a fait une sortie de gens encore venu Germain. Tu me dis, maman, que mes enfants dorment là-bas à l'école. Venu dit que tout ce bavardage-ci pour venir nous dire que c'était un malentendu. Ah, on ne croit pas à ça. De toute façon, dans la femme s'est attachée là parce qu'elle était en train de parler là. Il n'y a pas malentendu dans ça. Elle garde. Dis-moi si je me fais comprendre, s'il vous plaît. Alors ne me manque plus jamais de respect. D'accord? Parce que si je dis un truc, ça te plaît. Mais si j'étais invité à aller écouter le direct, tu as écouté le direct, tu n'es plus revenu me parler. Maintenant, tu fais un direct, oui, moi, mais le mania, mais ceci, oui, et même c'est pareil. Oh, excuse-moi là. Moi, je ne fais pas d'alliance avec personne. Je sais comment vous pensez. Vous êtes la danse des partis. Il n'y a personne pour attraper l'autre. Je ne suis pas là. Il faut que ce soit clair. Alors, quand on coupe les vidéos, vous coupez, où vous pensez. J'ai tapé sec. Je ne porte pas les gants. J'ai peur de personne. C'est le respect qui me lie avec. Elle a tapé sec là, vous avez même dit que non, c'était seulement qu'une grande soeur et une petite soeur. Elle dit bien qu'elle a tapé sec, elle parle même l'anglais. Excuse-moi là. Ah, non. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre même? J'espère. Parce que le départ de Blabut, de votre affaire, j'ai porté, c'était devenu comme si les gens sont même bloqués. Hé, c'est pas bête, chacun sa vie, chacun sa merde. Je dis bien chacun sa vie, chacun sa merde.
non. Et si j'entends que j'ai le droit de m'indigner, si ton casque qui m'a éclaté, vous êtes parti là, montez, t'es malade. Elle a fini, mon dérage. Je suis prêt sur vous. Pardon. Descendez sur moi. Je dis que je suis la seule, ça glisse sur moi. Rien ne change dans ma vie. Je suis un seul. Je dis bien, ma vie de famille n'a pas bougé. Mon travail n'a pas bougé, ma carrière. Rien. Donc, si vous venez là, mon dérage. Donc, venez comme vous voulez. Je suis prêt avec vous. OK? Tu es venu arrêter, vraiment, tu dois partir réécouter parce que c'était vraiment fun. La Mafo était dans le direct pour ceux et celles qui viennent d'arriver. La Mafo était dans le direct. On a fait un long direct maintenant. Je dois partir prendre les jumeaux de l'école étant donné que je suis maman de, des enfants. Hein. Donc, pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi ça, vous devez partir suivre ça. Borosang a fait une sortie aujourd'hui. La paix de Mafo est en train de déranger beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Et donc, Borosang a fait une sortie aujourd'hui pour avertir à Lolo, bon, je vais l'appeler Tata Lolo P, parce que celle-ci a fait une sortie dernièrement et elle était vraiment fâchée avec Gronet et Borosangi. Donc, ce qui fait que Borosangi, elle, vous savez qu'elle ne marche pas ses mots, elle n'aime pas le mépris. Donc, elle a dit que c'est mieux que chacun prenne son côté. Bon, elle a dit à Pipi ce qu'elle pensait. Donc, Maf aussi a intervenu dans le direct et c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Donc là, je vais voir, nous sommes à combien de minutes du direct? 1h13 minutes du direct et il est 16h30. Je dois prendre les enfants de l'école. Donc, ceux qui n'ont pas suivi, rentrez encore écouter le direct. Ceux qui sont là, abonnez-vous massivement parce que ça, c'est la page de l'heure. Ça, c'est la page du Gongoussa. Ça, c'est la page des abeilles. Et ça, c'est la page du scoop, quoi. Donc, je fais comme ça. Bisous à tous les abeilles. Pour finalement, il faut s'occuper de l'enfant. Bisous comme ça à tous les abeilles. Marissa, bisous comme ça. Power Mafo, bisous. F Imagina, je ne vois même pas ici ce qu'elle était dans les commentaires. Je n'ai pas pu lire les commentaires. Le grand Fekou Naguero, vraiment, je n'ai pas manqué du respect à ton coquille. C'est seulement que l'affaire du coquille, là, m'a vraiment fait mal parce que quand tu as parlé de ton affaire de coquille, ce qui est là, c'est que Kunagero, il fait souvent les directs et puis il efface. Et Kunagero, c'est un personnage que nous apprécions beaucoup même. C'est nous qui nous a fait comprendre et vraiment comprendre et savoir qui Yakuba était. Maintenant, sa personne, c'est Yakuba. Donc, dernièrement, sa femme était au pays et elle était en train de rentrer avec la nourriture que sa maman, à lui ou à elle, a vraiment bien préparé avec l'amour d'une maman. Et ils ont mis ça dans les bagages, dans la soute. Et puis après, on les a appelés dans le sous-sol. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un truc qui s'appelait le sous-sol à l'aéroport. Bisous. Laurent-Angèle Djamba. Je ne savais pas qu'il y avait le sous-sol à l'aéroport, mais bizarrement, on l'appelait au sous-sol. Il y avait des dames qui étaient en train de contrôler son sac. Pourquoi? Elle ne sait pas. On l'a dit non, comme ça. Bon, j'ai posté ça. La tête de mort qui monte là, moi, je bloque toujours toutes les têtes de mort après. Hein. Que tu sois abeille, que tu sois TKC sympathisant ou que nous soyons même amis, je bloque les têtes de mort. Je ne regarde pas derrière. Donc, anyway, ce qui se passe avec ce coquille? Il se passe que ces boules de coquilles et ces mets de pistache qu'il y avait déjà ont disparu à l'arrivée. Donc, les douaniers qui étaient assis, sont les douaniers qui étaient assis là-bas, ils ont enlevé la nourriture de son sac. Et il ne comprend pas comment il peut faire ça. C'est ce que je suis en train de dire, que c'est vraiment méprisant, c'est vraiment malsain de partir dans le sac de voyage d'une personne qui est en train de quitter le pays avec la nourriture que nous n'avons même pas ici en bain. Vouloir manger la nourriture de ses parents, vouloir goûter à ça, vous partez, vous volez cette nourriture-là, et puis vous partez donner ça à vos familles. Pourtant, vous avez ce pays en abondance. You have this food so much. Pourquoi partir voler? Il faut bloquer Chupinette. Quand on peut donner notre avis dans le respect. Est-ce que nous, on parle souvent? Vous nous voyez même souvent chez Tata Lolo Pipi. Non. Regardez si vous allez voir les abeilles partir là pour mettre les têtes de mort. Regardez si vous allez voir les abeilles partir chez Borosang qui mettre les têtes de mort. On ne connaît même plus si elles existent. Le problème, c'est que la majorité des abeilles ne connaissent même pas ce qui se passe chez Borosang. Si ce n'était pas qu'il y a une abeille qui est venue mettre ça dans mon inbox ou mettre ça en inbox, que voilà, ça vient de Ham. C'est qu'on ne devait pas savoir. Et pourquoi ces personnes-là viennent vers nous? C'est parce qu'ils connaissent qu'on a le blog dont on peut partager avec tout le monde. Sinon, nous ne sommes même pas intéressés par la vie de Borosang et la vie de Tata Lolo Pipi, sincèrement. Oui, nous sommes dans l'esprit de la paix, mais nous ne sommes pas là pour partir nous balader sur leur mur. Nous ne sommes pas là. Là où tu vas voir les abeilles, c'est chez Compressor, qui est la copine de la Mafo. À part ça, tu ne vois pas les abeilles partir mettre les têtes de mort ailleurs ou partir faire. Non, 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 non. Donc, arrêtez seulement de venir ici et venez vous comporter comme des enfants mal éduqués. Ça vous énerve, vous passez votre route. Donc, je reviens sur l'affaire du coquille. Donc, quand j'ai écouté ça, oh, j'ai écouté comment mon tonton Kunagero, il était vraiment blessé, dérangé, ça l'a énervé. Voilà pourquoi j'ai fait un petit direct sur ça et j'ai partagé cette vidéo parce que c'est un truc qui se passe. Et j'ai dû lire dans les commentaires beaucoup de gens qui se plaignaient aussi qu'ils ont déjà vécu ça.
J'ai même envoyé même des messages à ces personnes que s'ils veulent venir testify, donc venir parler un peu, faire un témoignage sur ça. Mais bon, je n'ai pas eu de retour. Sinon, j'aurais pu faire un petit direct sur ça pour édifier un peu. Donc, moi, même si j'étais toi, ce que je passais même sur la PDG TV, pour vraiment, parce que c'est un truc qui t'a énervé, un truc dont tu n'as pas apprécié, moi, j'aurais pris contact avec Marvo pour parler de ça si moi, j'étais toi, parce que ça, c'est un sujet vraiment important. Ça, c'est sûrement un truc dont beaucoup de gens sont, ils vivent ça dans le pays. Comment tu as à avoir ta nourriture? Sûrement, tu as fait un bon air ou que tu as mis ça dans un petit truc là-bas dedans, tu attaches, quelqu'un va te sortir, ça met de quoi, qui met de pistache. Tu connais comment quand ta maman te fait le mets de pistache, elle met un peu l'amour, elle tape un peu un petit piment sur ça comme ça, hein? Elle tourne comme ça, elle met un peu le djanga là-bas dedans. Et puis quelqu'un vient de tirer ça, pourtant la personne reste au pays. Et toi, tu attends ta chope là-bas que tu n'as pas encore visca aucun. Toi, tu n'as pas encore mangé depuis belle lurette. Quelqu'un vient te soutirer ça comme ça. C'est vraiment pas bien. Donc, si moi j'étais vraiment le tonton Koun, j'allais passer à la PDG TV pour qu'on parle plus de ces sujets. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. La main fois en direct ce soir. Elle va un peu parler de la paix. Ce qui se passe avec la paix, comment les gens sont en train de comprendre cette affaire de paix, parce que tout le monde est en train d'analyser ça à sa façon. Je crois ma foi vraiment vous dire ce qu'elle pense de cette paix. C'est quand elle parle de paix, parce que je ne peux pas dire que quand ma foi parle de paix, c'est pour être meilleure amie avec Tata Lolo Pipi. Non, c'est parce que elle est dans l'événementiel. C'est une grande dame qui rencontre les gens chaque jour. Qui doit parler avec les gens, elle ne peut pas venir quelque part et puis se retourner comme Yacoub a fait souvent que si Mafo vient là-bas, je ne viens pas à la fête à lever mon nom sur l'affiche. Non, elle ne peut plus faire des choses comme ça. Donc la paix, c'est pour pouvoir éviter un peu les petites frustrations des petits enfants de l'école primaire. Là. C'est pour pouvoir partir dans un lieu sans pouvoir toutefois réfléchir que oui, je ne parle pas avec la personne ou je déteste cette personne. Non. C'est pouvoir être dans une même place avec des gens avec qui tu ne t'entends pas, mais pouvoir dire bonsoir et prendre un verre et s'asseoir de son côté. C'est un peu ça la paix. La paix, ce n'est pas de faire les high fives, la paix, ce n'est pas... Donc, il ne faut pas méprendre ça. Donc, quand on dit que la paix avec Tata Lolo, ce n'est pas parce qu'on veut te le demander. Non, elle n'a rien à offrir, sincèrement. Nous avons beaucoup plus les abeilles à offrir dans les réseaux sociaux. Et nous le savons. Et les autres le savent aussi. Et voilà pourquoi nous sommes beaucoup combattus. Mais si je continue à parler, je vais parler jusqu'à... Ange Dima, vous ne devrez plus se prononcer sur ça. Quelle est l'instant là? Non, elle va parler. Parce que la façon dont Tata Pi a fait sa sortie dernièrement, là, elle va parler aujourd'hui. Et puis elle va laisser tomber. Donc, pas maman, faut citoyen. Bisous là-bas, avant qu'on ne m'appelle de l'école des enfants, je vais demander que maman, il est à 35, tu n'es pas encore venu. Donc, sur ce, merci encore pour tous ceux qui étaient là. Si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous sur ma page et puis on se reprend encore une autre fois. Merci encore à ma PDG d'être montée sur mon direct. Vraiment, merci pour le support. Venez, j'ai même dit quoi, il faut qu'elle appuie. Comme. Il faut que. Hé, maman. Lire alors, c'est à partir. Il faut qu'elle appuie comme plus sur cette paix. Oui. Roselle, pareil, là, chez Pinel Blog, nous avons le peu en live. Le live, c'est là, je ne veux même pas effacer, c'est resté sur ce. À bisous! Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.